Et si les hiéroglyphes de l'Égypte antique décrivaient l'histoire d'une civilisation liée à des visiteurs d'une autre planète? L'histoire d'une cohabitation entre humains et extraterrestres il y a des milliers d'années. Si c'est vrai, ça changerait absolument tout ce que l'on sait de l'évolution de la civilisation humaine. Qu'il s'agisse de textes anciens évoquant la présence de visiteurs ou d'indices prouvant que l'architecture égyptienne n'est pas née sur Terre, nombreux sont les éléments étranges semant le doute sur l'origine de l'une des civilisations humaines les plus évoluées. Ensemble, nous allons lever le voile de mystère qui recouvre l'Égypte antique. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. À travers le monde entier, il existe des éléments tendant à prouver qu'il existe des liens entre les anciennes civilisations humaines et les extraterrestres. Par exemple, Stonehenge, le calendrier céleste, ou les contes de l'Inde ancienne évoquant d'étranges vaisseaux, les Vimanas. Plus on étudie l'histoire de l'humanité, plus on se rend compte que certaines sociétés ont émergé et se sont épanouies très rapidement, en surgissant de nulle part, et en ayant sûrement appris des choses venant de civilisations humaines ou non humaines. Aucune civilisation au monde ne semble plus liée à une intelligence extraterrestre que celle qui est apparue il y a 5000 ans sur les rives du Nil. L'Égypte antique. L'Égypte antique est une sorte d'abysse archéologique. Plus on se penche sur ces mystères, ces monuments, les pyramides, le sphinx, plus on réalise qu'il nous reste encore bien des choses à apprendre et que la probabilité d'un lien avec une intelligence d'un autre monde est grande. Parmi les nombreuses ruines de Dendera, celle du grand temple d'Hathor figure parmi les plus mystérieuses. L'édifice était consacré à la déesse d'Hathor, à la fois mère, femme et fille de Ra, le dieu soleil. Dans le temple d'Hathor, ce qui est fascinant, c'est cette voûte céleste peinte au plafond. Elle prouve que la civilisation égyptienne antique était fascinée par l'astronomie. Les hiéroglyphes du temple révèlent quant à eux une compréhension scientifique en avance de plusieurs millénaires. Sur les plus intrigants d'entre eux, semblent figurer des objets qui n'auraient jamais dû exister à une période aussi lointaine. Il y a ces bas-reliefs qui montrent une créature d'apparence reptilienne offrant quelque chose à un être humain. Ces cadeaux, en les observant avec attention, sont de forme sphérique et émettent de la lumière. On pourrait même y distinguer un filament. Cela ressemble fortement à une ampoule. Certains estiment que c'en est une. Les Égyptiens antiques possédaient-ils des sortes d'ampoules électriques plus de 3000 ans avant Thomas Edison? Et que pensaient des étranges créatures reptiliennes qui semblent transmettre leurs connaissances aux êtres humains? Dossier déclassifié, le papyrus de Thouli. L'une des découvertes les plus récentes d'interaction possible entre l'humanité et les extraterrestres est le papyrus de Thouli. Ce papyrus aurait été découvert au Caire, chez un antiquaire, par Alberto Thouli, directeur du département d'égyptologie du musée du Vatican. Selon la traduction qui en a été faite, ce message évoque la visite en Égypte antique d'êtres non identifiés, il y a de cela plus de 3500 ans. La voici. En l'an 22, un étrange disque ardent est apparu dans le ciel. Quelques jours plus tard, ces disques sont revenus, encore plus nombreux. Ils brillaient dans les cieux, plus fort encore que le soleil. La position de ces disques ardents était toute puissante. Comment appellerait-on les disques ardents décrits dans le papyrus de Thouli de nos jours? On les appellerait ovnis. Il pourrait s'agir d'une flotte extraterrestre, apparaissant tout à coup dans le ciel de l'Égypte antique.
Nombreux sont ceux qui croient que ces disques ardents pourraient être les vaisseaux à bord desquels les extraterrestres du temple d'Hathor seraient arrivés sur Terre. Si c'est vrai, nous avons alors en notre possession le tout premier témoignage d'apparition d'un OVNI. Et nous aurions par là même la preuve de l'existence, des milliers d'années auparavant, d'une technologie largement supérieure à la nôtre. Et si ce que nous considérions comme des dieux était en fait des extraterrestres, avec lesquels les Égyptiens communiquaient? Si c'est le cas, que faisaient-ils sur Terre? Que voulaient-ils de nous? Un certain nombre d'indices démontrent l'existence d'un lien indéniable entre le peuple d'Égypte antique et des êtres mystérieux considérés comme des dieux. Ces créatures tenaient-elles du simple folklore ou seraient-elles venues des confins de l'espace pour partager leur savoir avec l'humanité? Si les Égyptiens antiques ont été en contact avec des extraterrestres, alors il se pourrait que ce soit eux qui apparaissent sur les hiéroglyphes, et non pas des divinités. On trouve dans le temple de Séti, à Abydos, de bien étranges bas-reliefs démontrant pour certains la relation entre les humains de l'époque et les extraterrestres. Sur les murs de cet édifice, on a pu voir ce qui ressemble énormément à des véhicules modernes, comme un hélicoptère, par exemple. Une sorte d'avion. Et même une espèce de sous-marin. Comment expliquer que de tels motifs aient été gravés il y a 8000 ans? S'il s'agit bien de représentations de machines, cela signifierait donc que l'humanité aurait alors été confrontée à la technologie avancée d'êtres supérieurs. S'il y avait des machines volantes dans le ciel de l'Égypte antique, il faut se demander si elles ont été construites par des humains ou si elles sont la preuve que quelque chose est arrivé dans notre ciel il y a des millénaires. Si ces bas-reliefs sont bien la preuve d'un contact entre humains et extraterrestres, quel était le but de leur visite? La réponse pourrait se trouver dans le tombeau d'un souverain qui, pour certains, n'avait rien d'humain. Dossier déclassifié, Akhenaton. Le roi des étoiles. Amenhotep IV est devenu pharaon en 1353 avant Jésus-Christ. Au bout de 5 années de règne, il change de nom pour devenir l'esprit vivant d'Aton, Akhenaton. Dans la mythologie égyptienne, Aton est décrit comme un disque solaire, parfois pourvu de mains et de rayons de lumière. Akhenaton serait donc l'incarnation vivante de ce disque solaire. Le pharaon régnera pendant 17 ans. Il bouleversera la tradition religieuse en instaurant le culte d'Aton seul. D'après lui, le disque solaire était plus puissant que les dieux. Le fait qu'Akhenaton ait pu réformer à lui seul toutes les croyances du peuple égyptien en quelques années seulement prouve pour moi qu'il y a un lien entre lui et cette divinité. Notre conviction est qu'Aton était en fait un être extraterrestre et qu'Akhenaton était en quelque sorte sa progéniture. Certaines représentations d'Akhenaton montrent qu'il n'a rien de normal. Il a des bras et des doigts longs et fins. Son menton est très prononcé et sa tête étrangement allongée. Certaines caractéristiques de ces extraterrestres se retrouvaient dans le patrimoine génétique de la famille royale. L'une d'elles étant l'élongation crânienne. Pour certains chercheurs l'ayant analysé, le crâne du pharaon était anormalement long et ses yeux de taille singulière. Ses traits, on les retrouve également chez ses filles et son fils, le fameux Toutankhamon. Et si ces particularités venaient des ascendants extraterrestres de cette famille? Les plus sceptiques pensent que cette forme du crâne était obtenue en serrant une sorte de bande pour provoquer cette déformation. Mais absolument rien ne prouve que ça ait pu effectivement être la méthode utilisée. Aucun élément probant ne vient étayer cette hypothèse. D'autres prétendent qu'Akhenaton et ses descendants souffraient d'une malformation génétique. Mais pour les ufologues, la réponse à cette énigme est simple et troublante. En fait, Akhenaton pourrait être le premier individu né d'une hybridation entre un humain et un extraterrestre.
Si ces extraterrestres étaient en voie de disparition, comment auraient-ils pu faire en sorte que leur race perdure à travers les générations à venir? L'une des solutions était de croiser leur race avec une autre pour en créer une nouvelle. De cette façon, ils avaient l'assurance que leur civilisation continuerait d'exister. Si les extraterrestres ont bel et bien réussi ce croisement, leurs gènes seraient encore présents dans notre organisme aujourd'hui. Mais d'où venaient-ils? Et où sont-ils partis? La réponse pourrait se trouver dans le plus grand chef-d'œuvre de l'Égypte antique, les pyramides. Selon les indices entourant la vie d'Akhenaton, il semblerait que les dieux d'Égypte antique étaient bien plus réels qu'on aurait pu l'imaginer. Mais ces êtres étranges pourraient-ils pour autant être des extraterrestres? Pour beaucoup, il est évident que ce peuple a été visité. Il est évident qu'ils en savaient plus à l'époque sur la vie ailleurs dans l'univers que nous en savons maintenant. Les pyramides comptent parmi les plus grandes merveilles du monde. Mais nombreux sont ceux qui pensent que ces édifices n'ont pu être réalisés uniquement de la main de l'homme. On observe des exemples comme ceux-ci aux quatre coins du monde. Mais les pyramides de Gizeh sont les plus fascinantes. La plus grande, la pyramide de Khéops, est constituée de 2 300 000 blocs de pierre pesant entre 2 et 60 tonnes. Comment imaginer qu'autant de charges aussi lourdes aient pu être déplacées sur de telles distances en ne comptant que sur une main-d'œuvre humaine? Pour que ces blocs de pierre soient acheminés jusqu'au chantier, il fallait les transporter sur 800 km, puis les hisser jusqu'à 70 mètres de haut pour leur faire atteindre leur emplacement. Quel être humain aurait été capable de cela? D'autant plus que cette construction a eu lieu entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Selon certains historiens, la construction de la pyramide n'a duré que 20 ans. Si cette hypothèse est juste, il aurait fallu prélever, tailler et poser un bloc toutes les 2 minutes et demie. Même au 21e siècle, avec notre technologie, ce serait un chantier phénoménal. Alors comment ont fait les Égyptiens antiques? Pour moi, la seule réponse plausible est qu'ils ont reçu de l'aide d'une manière ou d'une autre. C'est la seule explication. Comment l'être humain aurait pu réaliser ça tout seul? Le degré de précision avec lequel les pyramides ont été assemblées est un autre indice de présence d'une intelligence supérieure. Le positionnement des pyramides est d'une grande précision. Elles sont orientées vers le nord au 500e de degré près. Aucun autre édifice sur Terre n'a une orientation aussi précise. Construites en se fondant sur ce que les Égyptiens appelaient la géométrie sacrée, les pyramides étaient autrefois parées d'un revêtement reflétant le soleil et les rendant visibles de l'espace. Mais quelle aurait été l'utilité d'un tel dispositif? Et qu'est-ce au juste que cette géométrie sacrée? La conception mathématique de la pyramide de Khéops est d'un tel niveau de calcul qu'il fallait nécessairement la présence d'un être observant le chantier depuis le ciel pour la mettre au point. Des études montrent que la taille de la pyramide de Khéops, multipliée par 1 milliard, est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Les proportions de la circonférence de sa base par rapport à sa hauteur sont les mêmes que celles d'un pôle de la Terre à l'équateur. Ces données nous font nous demander comment les Égyptiens antiques étaient capables de tels calculs. Ça allait bien au-delà des connaissances de cette civilisation. C'est pour cela que certains ufologues pensent que l'Égypte antique faisait partie d'une civilisation extraterrestre. Si la construction de tels édifices a été faite avec l'aide d'une civilisation extraterrestre, cela sous-entend qu'elle avait de bonnes intentions. Sinon, pourquoi nous avoir laissé les grandes pyramides ou un autre monument qui détient peut-être le secret de son origine, le Sphinx? Avec ses 73 mètres de long par 20 de haut, il s'agit de la plus grande statue monolithique au monde.
Il est porteur d'un secret qui pourrait prouver que la civilisation antique égyptienne n'est pas uniquement humaine. Le Sphinx soulève de nombreuses énigmes, difficiles à résoudre, et l'une d'elles se situe juste à sa surface. En 1991, des géologues de l'Université de Boston découvrent des traces d'érosion leur permettant d'estimer la date de construction de l'édifice à plusieurs milliers d'années avant celle des pyramides. Cela implique que le Sphinx aurait été construit des siècles avant l'avènement de la civilisation égyptienne. Mais alors, qui l'a construit ? Les indices démontrant que les monuments de l'Égypte antique pourraient avoir été érigés avec l'aide d'une civilisation extraterrestre se multiplient. Mais de quelle planète serait-il venu ? Des clichés récents pris par la NASA révèlent ce qui semble être des pyramides et un sphinx, ensevelis sous le sable de Mars. Ces êtres pourraient-ils être tout simplement originaires de notre planète voisine ? Maintenant que la NASA s'est lancée à l'exploration de Mars, nous allons avoir des réponses. Si nous trouvons les vestiges d'une ancienne civilisation, alors devrons-nous réécrire l'histoire de l'humanité ? Si l'Égypte antique a été fondée avec l'aide de Martiens, notre exploration de la planète rouge pourrait nous faire découvrir nos ancêtres et révéler la vérité sur nos origines. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Et si les hiéroglyphes de l'Égypte antique décrivaient l'histoire d'une civilisation liée à des visiteurs d'une autre planète ? L'histoire d'une cohabitation entre humains et extraterrestres il y a des milliers d'années. Si c'est vrai, ça changerait absolument tout ce que l'on sait de l'évolution de la civilisation humaine. Qu'il s'agisse de textes anciens évoquant la présence de visiteurs ou d'indices prouvant que l'architecture égyptienne n'est pas née sur Terre, nombreux sont les éléments étranges semant le doute sur l'origine de l'une des civilisations humaines les plus évoluées. Ensemble, nous allons lever le voile de mystère qui recouvre l'Égypte antique. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. À travers le monde entier, il existe des éléments tendant à prouver qu'il existe des liens entre les anciennes civilisations humaines et les extraterrestres. Par exemple, Stonehenge, le calendrier céleste, ou les contes de l'Inde ancienne évoquant d'étranges vaisseaux, les Vimanas. Plus on étudie l'histoire de l'humanité, plus on se rend compte que certaines sociétés ont émergé et se sont épanouies très rapidement, en surgissant de nulle part, et en ayant sûrement appris des choses venant de civilisations humaines ou non humaines. Aucune civilisation au monde ne semble plus liée à une intelligence extraterrestre que celle qui est apparue il y a 5000 ans sur les rives du Nil. L'Égypte antique. L'Égypte antique est une sorte d'abysse archéologique. Plus on se penche sur ses mystères, ses monuments, les pyramides, le sphinx, plus on réalise qu'il nous reste encore bien des choses à apprendre et que la probabilité d'un lien avec une intelligence d'un autre monde est grande. Parmi les nombreuses ruines de Dendera, celle du grand temple d'Hathor figure parmi les plus mystérieuses. L'édifice était consacré à la déesse d'Hathor, à la fois mère, femme et fille de Ra, le dieu soleil. Dans le temple d'Hathor, ce qui est fascinant, c'est cette voûte céleste peinte au plafond. Elle prouve que la civilisation égyptienne antique était fascinée par l'astronomie. Les hiéroglyphes du temple révèlent quant à eux une compréhension scientifique en avance de plusieurs millénaires. Sur les plus intrigants d'entre eux,
semblent figurer des objets qui n'auraient jamais dû exister à une période aussi lointaine. Il y a ces bas-reliefs qui montrent une créature d'apparence reptilienne offrant quelque chose à un être humain. Ces cadeaux, en les observant avec attention, sont de forme sphérique et émettent de la lumière. On pourrait même y distinguer un filament. Cela ressemble fortement à une ampoule. Certains estiment que c'en est une. Les Égyptiens antiques possédaient-ils des sortes d'ampoules électriques plus de 3000 ans avant Thomas Edison? Et que pensaient des étranges créatures reptiliennes qui semblent transmettre leurs connaissances aux êtres humains? Dossier déclassifié, le papyrus de Thouli. L'une des découvertes les plus récentes d'interaction possible entre l'humanité et les extraterrestres est le papyrus de Thouli. Ce papyrus aurait été découvert au Caire, chez un antiquaire, par Alberto Thouli, directeur du département d'égyptologie du musée du Vatican. Selon la traduction qui en a été faite, ce message évoque la visite en Égypte antique d'êtres non identifiés, il y a de cela plus de 3500 ans. La voici. En l'an 22, un étrange disque ardent est apparu dans le ciel. Quelques jours plus tard, ces disques sont revenus, encore plus nombreux. Ils brillaient dans les cieux, plus fort encore que le soleil. La position de ces disques ardents était toute puissante. Comment appellerait-on les disques ardents décrits dans le papyrus de Thouli de nos jours? On les appellerait ovnis. Il pourrait s'agir d'une flotte extraterrestre, apparaissant tout à coup dans le ciel de l'Égypte antique. Nombreux sont ceux qui croient que ces disques ardents pourraient être les vaisseaux à bord desquels les extraterrestres du temple d'Hâthor